Amis internautes, bonjour. Chaud ananas. Écrivez ce mot comme vous le voulez. Quoi qu'il en soit, ce mot est entré dans l'histoire de notre pays. Ce 17 octobre 2013, au tribunal de grande instance de Paris. Mais c'est pas l'affaire Dreyfus, quand même. Se sont écrayés, c'est entre miaulements de vieilles chattes en rut et ignobles pleurnichards, les associations des commerçants de la mémoire. Qui s'était, vous savez, porté partie civile. J'avais toute la fine équipoque. Eh bien, si, messieurs, dames, si, et bien plus encore que cette insignifiante affaire Dreyfus, l'affaire Chaud Ananas sonne le glas de tout un système. Dans le hall du palais de justice de la République française, l'hymne de la nation s'est opposé à l'hymne des forces d'occupation. Moment historique. Magique, incroyable, d'une très grande intensité. La Marseillaise réunissant les Français de toute obédience face au fascisme juif israélien. Extraordinaire, extraordinaire. Un moment historique. D'ailleurs, les gendarmes eux-mêmes ont été transportés par l'hymne national, l'hymne de leur pays, de leur patrie. Hein. Et quelques ananas en plus. Dans un élan patriotique, ils ont repoussé les rongeurs hors du palais. Bataille héroïque s'il en est, sans violence, avec pour seule arme le patriotisme face à l'invasion des forces de la haine. Regardez d'ailleurs sur les images cette haine, cette vulgarité battre en retraite. Jusqu'au bout, obscène et sans panache. Des rats. Pendant ce temps, à l'intérieur du palais, se tenait une joute oratoire sans grande tenue, je dois vous l'avouer, qui débouchera d'ailleurs très vite sur une débâcle du côté des partis civils. De honte. Les 5 avocats qui avaient pris en charge ma défense n'ont obtenu aucune réponse aux questions de droit qu'ils posaient. Quelques « je retrouve pas mes papiers, je cherche ». Ouais, n'importe quoi, les mecs, ils avaient même pas bossé. En droit pur, ma relaxe est inévitable. Mais, comme vous le savez, l'ingérence du politique dans cette affaire est évidente. Hein. Valls, Le Drian, Moscovici, vous connaissez. Hein. Bref, ouvre la voie à toutes les aberrations possibles. Et impossible d'ailleurs. Tout comme la composition de la cour. Ah bah, il faut que je vous parle de cette composition. J'ai demandé tout naturellement au départ de l'audience à ceux qui me jugeaient s'ils faisaient partie du syndicat de la magistrature. C'était quand même la moindre des choses. Je vous rappelle que ma photo a été épinglée sur le mur des comptes du syndicat de la magistrature, moi. C'était il n'y a pas longtemps. Alors là, j'ai demandé à la présidente, vous faites partie? Et là, elle n'a pas voulu me répondre. Elle a dit non, elle ne va pas te répondre. Je t'emmerde. Enfin, elle n'a pas dit « je t'emmerde », mais ça voulait dire ça. Il semblerait que tous les trois magistrats qui étaient là, en plus, font partie du syndicat de la magistrature. Je l'ai appris après. J'ai donc été jugé par des gens qui faisaient partie du syndicat qui m'a identifié comme étant un connard. Merde. Ouais, en termes de neutralité et d'impartialité, je suis dans la merde. Hein. Quelques grands moments tout de même lorsque Jackie, mon fidèle régisseur, a témoigné. Fois qu'il entrait dans un tribunal
Alors il s'est exprimé spontanément, lui, il est arrivé, les mains dans les poches. Monsieur, enlevez les mains des poches. Hein ? Ah, pardon. Dieudo n'a rien à voir avec le choix du costume de déporté. C'est moi qui l'ai amené. C'est moi qui ai eu l'idée. Non. Non, lui répondra l'avocat de la générale, on s'en fout. Non, non, c'est Dieudonné qui décide, c'est lui qui vous donne des ordres. Alors j'ai dit, mais enfin, je sais quand même de quoi je parle. C'est moi qui ai cousu, c'est moi qui ai acheté le pyjama, c'est moi qui ai cousu. Non. Il referme la tête. Jackie va dire, Dieudonné m'a simplement donné des conseils chorégraphiques. D'ailleurs, on le voit dans la vidéo. Dans le rythme. Fais gaffe, quand tu fais ça, Jackie, plus dans le rythme. Hein. C'est moi qui ai essayé de faire la chorégraphie. C'est vrai. Mais bon, c'était pas très convaincant, d'ailleurs. Mais, alors, l'avocat général lui dit, non, monsieur Sigaud, Dieudonné Mbala est responsable. Il est coupable. C'est dans ses gènes. Tout comme mes témoins, d'ailleurs. Le procureur, enfin, l'avocat général, ils ont refusé l'extraction de mes témoins. Carlos, qui était co-auteur de Choananas. Donc lui, il a quand même le droit de venir. On a besoin de son témoignage. En première instance, on me l'avait refusé. En deuxième instance, on me reparait. On refuse. Non, 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 tu l'auras pas. Pierre Panet, qui était venu aussi, il avait des nouveaux éléments. C'était un témoin de la défense. Non, vous n'avez pas le droit. Merde. Seul Germain Geff Cohen... Vous savez, les mariés et Alfredo Stranieri, dont l'extraction d'ailleurs avait été refusée en première instance, eux, ont finalement pu être autorisés. Donc ils étaient là. Et ils étaient là en tant que partie civile, d'ailleurs. Ils n'étaient pas là en tant que témoins. Non. Parce que, alors, ils étaient partie civile. Ils pensaient que j'avais volontairement massacré leur texte. Alors je leur ai dit non, j'ai fait ce que j'ai pu, je ne voulais pas le diffuser. Mais bon, au départ, ils ne le savaient pas. Moi, je voulais faire ça bien, donc vraiment style télé avec plusieurs caméras, quoi. Et puis surtout, ils regrettaient que la condamnation en première instance ait occasionné la fermeture de l'atelier de chansons potaches que j'animais. Pour lui, c'était quand même un truc en moins, parce que c'était un projet de réinsertion aussi. Pour Alfredo aussi, il s'y est mis. Alfredo, il a dit, c'est vrai, moi je comptais beaucoup là-dessus... notamment par rapport à lui, c'était plus la partie chorégraphique, Alfredo Stranieri, bon, il était focalisé là-dessus, bref. Heureusement, bon, Germain, lui, est parti dans une plaidoirie magistrale. Germain qui a des grandes, grandes qualités aussi juridiques. Il a sorti de sa poche une savonnette. Et tout ce qui restait de sa grand-mère déportée à Auschwitz. Parce que lui, sa grand-mère est disparue à Auschwitz. Au nom de ceux qui sont morts, il a fustigé les avocats de la LICRA. C'était un moment très fort, ça. Il les a regardés de la LICRA, SOS Racisme, il les a regardés dans les yeux. Honte à vous, charognard de la mémoire. Au nom de ma grand-mère, je vous maudis. C'était... Il avait les yeux en larmes et tout. Il était à deux doigts, d'ailleurs, de balancer sa grand-mère à la gueule de l'une des avocates de la partie civile qui s'était permis un odieux ricanement, tu sais, de sorcière possédée par Satan. Alors, il a terminé, Germain, je termine là-dessus, très digne d'ailleurs, et il s'est interrogé sur les propos d'Alain Jakubowicz. C'est vrai que c'est des propos étonnants, parce que Alain Jakubowicz prétend que le geste de la quenelle signifie la sodomisation des victimes de la Shoah. Donc là, il s'est retourné vers sa grand-mère, il a dit, mais mamie, qu'est-ce qu'on fait ? Il a même tenté de démontrer que c'était des fausses des élucubrations de personnes complètement dérangées, allant jusqu'à mimer, il a été obligé de mimer la sodomisation de cette savonnette qui n'avait pas de sens. C'était impossible, on a bien compris que c'était pas possible. Donc là, qu'est-ce qu'il a voulu dire ? On en saura plus parce qu'on va porter plainte de toute façon. Alors je terminerai avec la plaidoirie de l'avocate générale, une menteuse pathologique aux ordres du système, hein, qui va prétendre que je n'ai pas payé d'impôts depuis 97. 1997, imagine bien que je suis en contrôle depuis toujours, moi, et je ne paye pas d'impôts. On verra ce qui se passe. Une menteuse. Comme ça, elle mentait. Moi, je dis, madame, vous mentez ? Oui, c'est un peu de foutre. Et alors après, elle a tenté de me donner des leçons de morale. Ah ouais, sur le courage. Merci, madame. Dieudonné, vous n'avez pas de courage. Ah, parce que t'en as du courage, toi ? Ferme-la. Alors les leçons de courage, ça pouvait encore aller, mais alors à un moment donné, elle a même été jusqu'à me parler, c'était sur mon travail d'humoriste. Un truc de dingue, elle a dit, contrairement à Coluche et des proches, je manquais de distanciation. Merde ! Ah, j'avais pas de panier, autrement j'aurais pris des notes, elle me donnait des leçons, comment faire rire ? Elle, pourtant, elle avait pas l'air drôle, mais apparemment elle connaissait. Elle a expliqué à la cour et à tout le monde, qu'on voit bien chez moi que je pense ce que je dis. On voit que vous pensez ce que vous dites. C'est ça le problème. Merde. Alors, ce à quoi j'ai répondu, alors j'ai cité des proches, j'ai dit, oui, si les Juifs allaient en si grand nombre à Auschwitz, c'est avant tout parce que c'était gratuit. je dis, ça c'est de la... D'accord, je l'ai bien dit là, j'ai de la distanciation, ou on peut croire que c'est vrai. Je me méfie des rumeurs, vous savez, quand on me dit que si les Juifs allaient en si grand nombre à Auschwitz, c'est parce que c'était gratuit, je pouffe.
Là, lui, c'est drôle, par exemple, parce qu'il a la distanciation. D'accord. Que moi, si je le dis, c'est pas drôle. J'ai pas de distanciation. Ah, d'accord, c'est intéressant. J'ai été obligé de lui préciser que, qu'il y avait quand même quelques différences avec mes illustres prédécesseurs. Coluche, les proches, je vous remercie de me comparer à eux, mais bon, déjà, la grande différence, c'est que je suis vivant. Eux, ils sont morts, donc on peut raconter n'importe quoi. Et puis deuxièmement, je suis issu d'un environnement culturel sensiblement différent. Je suis d'origine africaine, il y a peut-être aussi des choses, peut-être... Et d'ailleurs, j'ai cité Césaire qui disait « Dieudonné, rire avec la souffrance nègre, vous allez déranger du monde. » Effectivement, j'ai dérangé du monde. Parce qu'ils sont... rarement, il y a un problème d'incompatibilité. Par rapport à une sorte de souffrance qu'on aurait, qu'on exprimerait d'une façon différente. Je manque de distanciation. Et ça, j'ai vraiment encore, depuis ce jour-là, une interrogation. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, je n'aurais pas le raffinement nécessaire pour manier le second degré. Je n'arrive pas à exprimer parce que je dois manquer de mobilité pour voir si c'est du premier degré ou du deuxième degré. Que des proches, et Coluche, toi, quand ils font ça, alors c'est peut-être le fait d'avoir d'être un nègre, en fait. Peut-être que c'est ça. Il faut que je lui demande si on peut être noir et humoriste. C'est possible aussi. Hein. Peut-être pas. Hein. Et non, vous, c'est pas bon. Vous, on peut pas vous garder en tant qu'humoriste. Merde. Merde. Et je peux faire quoi? De la mécanique? Alors c'est pas prononcé. Hein. Sur la mécanique, elle n'a rien dit. Et pour finir, elle va proposer évidemment 20 jours de prison ferme pour choix ananas. Donc là, je peux te dire, tes 20 jours, tu peux te les mettre là où je pense. Et si j'étais condamné, bien sûr, j'irai en prison. D'ailleurs, il y a pas mal de gens qui m'attendent. Là-bas, je sais que j'ai un certain public. Mais je tiens à vous dire que si je vais en prison pour choix ananas, il faut réfléchir à ce qui va se passer après. Parce que là, je suis déjà motivé, mais là, après 20 jours de prison pour un sketch... Ah... Là, parce que je pense que l'histoire de la révolution n'a jamais fait l'économie de quelques jours de prison. Il n'y a jamais eu de révolution sans homme emprisonné. Donc, résultat le 28 novembre, mais quoi qu'il en soit, je m'en tartine le cul, je suis prêt à aller en tôle. Alors, signer la pétition pour demander la dissolution de la LICRA, hein, c'est très important, je vous le prouve, là, on l'a vu, il faut dissoudre cette association hein, qui gère la haine, qui organise la censure dans ce pays. C'est très important, faites-le. Hein, tout comme ces jeunes qui ont chanté aussi, c'est un courant général. Il faut, en plus, la LICRA, il y a un procès qui arrive avec eux, il faut vraiment que vous manifestiez aussi votre mécontentement. Attention, il nous faut quand même une bouffée d'oxygène. Je serai en tournée avec le mur dans toute la France, hein, à moins que je sois en prison. Donc là... Là, il y aura peut-être un motif d'annulation qui sera à la prison. Donc, je vais y aller, mais c'est chaud. Chaud. Abricot, hein, on a changé.